est-ce à ce point que je poursuivrai mon récit à partir de ce point la prochaine fois? Je vous demande sans doute pourquoi j'ai laissé tout cela se produire. Il y avait eu tant de morts, et tant d'autres à venir. Un empire s'était effondré et un prince se retrouvait traqué comme un criminel. Mais j'avais vu la trame du temps, et de tous les avenirs possibles, celui-ci était le plus prometteur. Car le prince aurait la possibilité de rectifier la situation. Regardez bien. Voyez de quoi je veux parler. Voyons, où ai-je rangé ces larmes ? Zervan. Qu'y a-t-il ? Au cas où je ne pourrais plus le faire. Sale chienne ! Je vous offre la vie éternelle, et c'est ainsi que vous me remerciez! Vous transformer me procurera un grand plaisir. Bonjour, prince. Vous espériez un autre accueil, n'est-ce pas? Immortel peut-être, mais pas invincible. Ce que vous avez fait subir à mon peuple. Ce que je lui ai fait subir, vous devriez le remercier, au contraire. Mon peuple vit au milieu de monstres au service de votre démence. C'est le prix du progrès. Prévenez-moi quand vous aurez le temps d'en entendre davantage. Si vous avez besoin de faire une pause, prenez votre temps. Ah.
Ce monde n'était pas fait pour moi. Mais il y en a d'autres. Et je trouverai ma place, comme vous avez trouvé la vôtre. Vous êtes libre, prince. Le voyage est terminé. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est à toi me revient de droit. Et il en sera. Toujours ainsi. Que je disparaîtrais purement et simplement une fois que tu aurais tué le vizir ? Quel aveuglement ! Ce sont ta colère, ton orgueil et ton égoïsme qui m'ont donné la vie. Je suis assez puissant pour rester désormais, même si les sables ont disparu. Maintenant que le vizir n'est plus, je vais prendre ta place à la tête du royaume et tu ne pourras pas m'empêcher. De manipuler le temps lui-même, tu aurais pu devenir le plus grand roi de tous les temps. Pense aux guerres que tu aurais pu livrer, aux monuments qui auraient été érigés à ta gloire, aux femmes que tu aurais pu avoir dans ton sérail. Mais tu m'as trahi, petit prince. Tu t'es ramolli en te préoccupant des autres et tu as refusé de m'écouter quand j'ai essayé de te ramener dans le droit chemin. Alors, j'ai patiemment attendu mon heure. Tu ne mérites pas ce que tu as reçu. Le plus grand empire qui soit, avec le pouvoir dont tu disposes, tu pourrais être le maître du monde. Mais tu as décidé de ne pas faire cas de ce don. Alors, j'ai décidé de me l'approprier. Tu n'es qu'un parasite. Tu ne mérites rien. Parce que tu crois que je ne l'ai pas mérité. Où serais-tu sans moi? Combien de fois t'ai-je sauvé ou permis d'avancer en éliminant les obstacles ou tes ennemis? Et qui t'a sans cesse rappelé ta mission, alors que tu ne faisais que pleurer ton père, sans oublier Kaïdina et Farah? Pauvre petit prince, il lui arrive toujours de mauvaises choses. J'en ai la larme à l'œil. Tes paroles sont vides de sens. Elles l'ont toujours été d'ailleurs. Tu n'es qu'un esprit égoïste et aux abois. Si je suis égoïste, c'est parce que toi tu l'es, petit prince. Si je suis impitoyable et totalement immoral, c'est aussi parce que toi tu l'es. Je ne suis pas sorti du néant. Aucun vizir dément ne m'a appelé. Je suis toi. Non. J'ai pris conscience de mes erreurs. Et j'ai racheté mes transgressions passées. Je ne suis plus le même. Les saisons changent. Les goûts aussi. Mais les gens, eux restent toujours les mêmes. Et si tu penses le contraire, tu te trompes. Ne m'affronte pas. Pose ton arme. Ne faisons plus qu'un.
As-tu l'intention de me tuer? De m'abattre comme tes autres ennemis? Alors serre-toi de ton épée, petit prince. Nous savons tous deux combien son tranchant est mortel. Quelle violence! Ta colère ne fait que me rendre plus fort. Alors la question est, as-tu vraiment changé? Après tout, je suis toujours là, devant toi! Attention, ne pourchassez pas cette chimère. Détournez-vous-en et réveillez-vous. Je vous guiderai. Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Je te défends de m'ignorer ! Ne me laisse pas là ! Non ! Réveillez-vous. Réveillez-vous. Farah ? Vous allez bien ? Je crois... Je crois que c'est vraiment fini. Prince, quelque chose m'échappe encore. Comment connaissiez-vous mon nom ? Nombreux sont ceux qui voient le temps comme une rivière, au cours certain et tranquille. Mais moi, j'ai vu sa vraie nature. Et je peux vous le dire, il se trompe. Le temps est comme un océan, en pleine tempête. Vous vous demandez sans doute qui je suis vraiment et pourquoi je vous dis cela. Alors laissez-moi vous conter une histoire extraordinaire. No tomorrow, I should have known.
jamais vous devez partir, c'est un excellent endroit où reprendre votre histoire la prochaine fois.